Salut à tous, c'est Tronical, on se retrouve à nouveau dans The Witcher 3 Wild Hunt. On vient de rencontrer Priscilla, on a appris que Jaskier, il était peut-être un petit peu dans la merde avec la pègre de Novigrad, puisqu'il a essayé apparemment de pénétrer et de cambrioler le coffre-fort de Sigiroven, qui est en gros un des barons de la pègre hein, du coin. Alors, on connaît déjà le roi des mendiants. Mais apparemment, il y aurait trois autres personnes. Donc, le petit bâtard. Ça me fait toujours marrer. Sigiroven et. Putain, l'autre c'était qui? Je sais plus. Et le petit bâtard, on sait pas où il est. Par contre, on sait que c'est Sigiroven. Sidi. Pourquoi je pense à Sidi? Sigiroven. Putain. Et on sait que Sigiroven, il a des bains. Donc on y va. Le roi des mendiants, le petit bâtard, Sigiroven, et je sais plus. Ils sont peut-être que trois. Y'a quelqu'un? Ouvrez. Bonjour, c'est pour se mettre tout nu. Je sais qu'il est là. C'est possible, mais j'ai bien peur qu'il soit trop occupé. Dites-lui que Geralt de Rive veut lui parler. Je doute que Sir Reven accepte de se voir. On parie. Je vais voir ce que je peux faire. Un instant, je vous prie. Sigiroven vous invite cordialement à le rejoindre. Je m'appelle Apple. La réunion a lieu dans les bains. Nous allons passer au vestiaire, vous pourrez y laisser vos vêtements. Allons-y. Oh. Déshabillez-vous ici. Votre équipement sera en sécurité. À peine le nuque. Et oui, alors et donc, en tant que nuque, il n'a pas la voix aiguë, parce que les voix aiguës, c'est les castrats. Ça n'a rien à voir. Parce que, en gros, la plupart des eunuques étaient castrés après l'adolescence, donc une fois que la voix a mué. Parfait. Sigiroven vous attend dans la pièce attenante. Et les castrats, bah en gros, c'est en Europe, quoi. Et c'était avant l'adolescence, du coup la voix ne mue pas. Et voix aiguë, grande cage thoracique, donc vocalise, machin mon cul. Bonjour mesdames. Il a même pas rougi. Pourquoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quoi? T'as pas vu celle de Rolven? Quoi? Gudrun l'appelle Ouroboros. Quoi? Tu veux dire qu'il se mord la queue lui aussi? LOL! LOL! Sa bite est tellement longue qu'il peut la mordre! Eh, hey, PTDR! Pardon. Non, mais continue à parler de bite, hein, moi je trouve ça rigolo. C'est bon, là en ce moment, il y a les gens qui s'insurgent sur la nouvelle pub Nana, là. Où on voit des porte-monnaies et des muffins en forme de vulve. Et les gens ils pètent des câbles. Oui, tu te rends compte? Dégueulasse. On voit des teuchats à la télé. Incroyable. S'en fout quoi. Calmez-vous. Oui. Du calme, Surin. Le petit bâtard est un homme mort. Ah oui, Surin, voilà, c'est ça l'autre, le dernier. Ça ne nous plaît pas. Pas du tout, même. Tu n'élimineras pas le petit bâtard sans notre accord, Surin. Reven. Ton invité, là. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Me parler, c'est tout. Je te présente Geralt de Rive. Content de te revoir. Je suis encore le dernier informé, on dirait. T'es qui, bordel?
pourquoi ne pas laisser votre hôte le présenter? C'est un sorceleur. Celui-là même qui a sauvé Foltest d'une mort certaine, avant de le tuer de ses propres mains. C'est juste une rumeur. Je n'ai pas tué Foltest. Et bonjour à toi aussi, Dijkstra. Ou Reven, si tu préfères. Ma dernière rencontre avec Geralt m'a laissé un souvenir douloureux. Je me demande ce qu'il me réserve cette fois-ci. Vous avez de la visite. Un groupe d'hommes a pénétré dans les bains. Qu'est-ce qui nous chante? T'as un putain de devin? Des assassins! Pitié! Non! Ah! Putain! J'en étais sûr. Tu as des armes cachées quelque part? Pas beaucoup. Oh, ils auraient pu me laisser une épée, hein. Eh ben très bien, on était ravis de savoir ça. Excuses pour cet incident. Le responsable va regretter son erreur, croyez-moi. Tu sais comme moi qui est derrière tout ça. C'était les hommes du bâtard, pas de doute là-dessus. Ne recommence pas, surtout pas devant notre invité. Ah ouais, parlons-en. Il arrive ici la bouche en cœur, juste avant l'attaque. Je suis le seul à trouver sa louche. Laissons-lui une chance de s'expliquer. Je recherche le petit bâtard. Intéressant. Qu'est-ce que tu lui veux? C'est personnel. Geralt accorde une grande importance à sa vie privée. Je parle d'expérience. Le suivre ou l'espionner est un véritable cauchemar. Il n'empêche, je le trouvais beaucoup plus coopératif quand il cherchait Merigold. Vous avez perdu la tête, messieurs. Le bâtard veut notre peau, et vous, vous voulez parlementer? Il doit mourir, et le plus tôt sera le mieux. Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez rester ici, faire trempette, péter dans l'eau, enfin, ce que vous voulez. Et pendant ce temps, mes gars vont trouver le petit bâtard et débusquer ce foutu rat hors de sa tanière. Quant à toi, Gérard, ou je sais pas comment, si tu veux parler au bâtard, trouve-le avant moi. Vous savez où se trouve le petit bâtard? Le moindre indice serait le bienvenu. Siggy? Ça vaut le coup d'essayer. Geralt a un flair de limier, et il est discret. C'est une vertu appréciable. Très bien. Bah, je laisse quand même beaucoup de cadavres. Je passerai te voir demain, Francis, pour finir notre conversation. Francis? On pourrait peut-être se rhabiller, non? Oui, bien sûr. Ensuite, nous pourrons parler en privé. Après, il n'y a plus que des cadavres, alors. Est-ce que je peux looter? Quel beau merdier ce fut. Je n'aurais jamais cru prendre plaisir à revoir celui à qui je dois de prendre autant de bains. Si cela te rend plus propre, j'avoue que ça valait le coup de te casser la cheville. Elle s'est mal ressoudée. Pas de veine, hein? Je dois la tremper dans l'eau chaude 6 fois par jour. Faute de quoi, elle carillonne comme les cloches de Beauclair au petit matin. J'avais mes raisons.
Il ne fallait pas se mettre sur mon chemin. Je vois. Ma foi, si je pouvais remonter le temps, je te promets que j'agirais différemment à ta Ned. Pour commencer, j'ordonnerai à mes gars de te tuer au lieu de te ligoter. Bien, Roven, ou plutôt Dijkstra. Je ne suis pas d'humeur pour tes noms de code, mots de passe et autres. Je suis ici pour une affaire précise. Écoute-moi si ça te chante, sinon, épargne-moi tes traits d'esprit et fous-moi dehors. Ma foi, je suis tout ouïe. Tu penses que Surin trouvera le bâtard ? C'est possible, oui. Mais pas avant d'avoir mis à sac la moitié de la ville. Tu auras de meilleures chances en travaillant seul. Des suggestions ? La zone d'influence du bâtard se limite à quelques quartiers bien précis. Commence par là, mais sois discret. Foncer dans le tas ne t'apportera rien cette fois-ci. C'est mal me connaître, hein. Avec Bedlam, vous semblez prêt à tout pour éviter une guerre ouverte avec le bâtard. Pourquoi ? Comme je le disais souvent au roi Visimir, la guerre ne résout pas les problèmes, elle en crée de nouveaux. Elle ne doit être qu'un dernier recours. Ce n'est pas le petit bâtard qui tire les ficelles, crois-moi. Je ne le tuerai pas avant d'avoir démasqué le vrai coupable. Tes partenaires, ils connaissent ton passé ? Ils savent que tu es Sigismund Dijkstra, l'ancien chef des espions de Redania. Je pourrais peut-être appeler Surin, Bedlam et le bâtard mes partenaires, si nous étions une bande de joyeux meuniers. Dans le meilleur des cas, nous nous contentons de nous ignorer. Cela ne fait pas de nous des partenaires. Bedlam connaît certainement ma véritable identité, et j'imagine que les autres ont des doutes. Mais nous n'avons jamais abordé le sujet. Je vais mener ma petite enquête. Aussi bien caché soit-il, le bâtard n'a pas pu se couper du reste du monde. Il doit sûrement être en contact avec ses hommes. Le jeu est sa principale ressource. Il contrôle le plus grand casino de la ville. Je me souviens encore du jour où le hiérarque Emelfart a joué et perdu son anneau de rubis. Oh l'imbécile. Tu pourrais aussi faire un tour dans son arène clandestine. Les paris lui rapportent presque autant que le casino. Il cherche toujours de nouveaux combattants, je crois. J'imagine que tu pourrais fouiller la maison du bâtard, mais je doute que tu y trouves quelque chose d'intéressant. Tu as parlé d'une maison. Où est-elle ? C'est une belle maison sur l'île du Temple, de l'autre côté du pont. Mais ça m'étonnerait que le bâtard s'y cache. Il n'est pas aussi bête quand même. Où se trouve le casino du bâtard ? Près des tours de garde du temple. Officiellement, le bâtard n'a aucun lien avec le casino, alors sois prudent. N'éveille pas les soupçons. Je vais tenter ma chance dans l'arène. Où se trouve-t-elle ? Sous Dornal, dans les égouts. Mais tu devras passer par le Lassie et supporter la puanteur des miséreux. Le bâtard adore le sang et la sueur. Je suis sûr qu'il paierait cher pour voir un sorceleur à l'œuvre. Je vais voir si je peux trouver le bâtard à l'arène ou au casino. Et ce serait peut-être une bonne idée de parler à Surin, non ? Fais comme bon te semble, mais sois prudent. Le bâtard doit être sur ses gardes. Merci pour ton aide, Dijkstra. Laisse-moi, sorceleur. Si tu ne parviens pas à trouver notre homme, reviens me voir. Je le connais bien, j'aurai peut-être une nouvelle piste. Tu es en contact avec Radovid ? Toujours aussi vif d'esprit. Non, je n'ai aucun contact avec lui. Et c'est aussi bien comme ça. Il ne t'a jamais pardonné d'avoir conspiré avec Philippa Elhart ? Radovid ne pardonne rien, jamais, à personne. Et encore moins à une magicienne de la loge. Des nouvelles de Philippa Elhart ? Des bonnes. Ce qui veut dire ? Eh bien, après que Radovid l'a énucléée, elle s'est volatilisée. Avec un peu de chance, elle a fini par calancher. Je croyais que vous étiez proches. Nous l'étions.
jusqu'à ce que Philippa m'envoie des assassins. Ah, c'est vrai que souvent ça calme. De maître espion à maître criminel. Intéressante progression. Pourquoi ? C'est très similaire pour tout dire. Entretenir un réseau d'informateurs, être dur en affaires, graisser la patte des officiels, assassiner de temps à autre. Même recette merdique. Ouais. Sauf que tu exerçais au nom d'un idéal. Qu'en est-il aujourd'hui ? J'ai décidé que j'avais assez trimé pour les idéaux. Qu'il était temps de me mettre à mon compte. Jusqu'ici, ça m'a bien réussi. Écoute, Jasquier a disparu. Tu as une idée de ce qui a pu lui arriver ? La même chose qu'à tous ceux qui marchent sur les traces du petit bâtard. C'est-à-dire ? Il est entouré de vierges délicieuses qui le régalent de vin pétillant et de pâtisseries fourrées à la langue de rossignol. Allons, Gérald, que crois-tu qu'il lui soit arrivé ? Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline. De son luth. En ce qui me concerne, il peut aussi bien pourrir au fond de l'eau flanqué d'un fichu trombone. Tu n'aurais pas une dent contre Jasquier par le plus grand des hasards ? Bien sûr que si. Sérieusement ? Très sérieusement. Jasquier vient de publier un sonnet. Dans la deuxième strophe, les rimes ne sont pas à parier comme il se doit. Souffre qu'un amoureux de la poésie trouve à redire. Cet énergumène ne s'en sortira pas comme ça. Je parlais sérieusement. Moi aussi, quand je dis que je me contrefiche de ton ami le joli cœur. J'ai mes propres problèmes. Des problèmes que tu pourrais m'aider à résoudre. Si tu te rends utile, j'envisagerais peut-être de me renseigner sur ce qui est arrivé à Jasquier. Et il y a une prime en plus de cela ? Rien n'est gratuit. Étais-tu aussi âpre au gain quand il s'est agi de travailler pour Émir ? Qui t'a dit ça ? Comment ça, qui ? Émir, bien sûr. Ha, ha, ha. Je ne révèle jamais mes sources. Pas plus à toi qu'aux autres. Ce serait une putain d'entorse à l'éthique de la profession. Mais trêve de babillage. Oui, je te paierai, Kanzi. Et moi, je peux compter sur toi ? Je peux peut-être t'aider, oui. De quoi s'agit-il ? Le plus simple est encore de te montrer. Une image n'en dit plus qu'un long discours. Et sache qu'aller répéter ce que tu verras ici à quiconque te vaudra une lame entre les côtes. Cela va sans dire. Excellent. Oh, et une dernière requête. Enfin, pour être honnête, c'est plutôt un ordre. Ne dégaine pas ton épée sans que je te le demande. Ah bah d'accord. Te cogner la tête contre le mur n'y changera rien. Bart, mal. Bart, moi penser. Bart, moi penser. Bart, moi triste. D'où vient ce troll ?
de Zerikania. Je l'ai gagné aux cartes à un chamelier. Tes blagues sont de plus en plus tordantes. Tu m'as vu sourire? Je ne plaisante pas. Barde surveillé, mule à bosse. Chaud là-bas. Sigi a pris Bart. Gentil Sigi. Toi et le troll, ça semble aller tout seul. Pourquoi m'avoir fait venir ici, au juste? Prends note de ce trou. Nous y reviendrons plus tard. Tu vois cette porte? Derrière, il y a une chambre forte, jusqu'à récemment remplie de couronnes de Novigrad et autres babioles. Bart gardé, et boum! Appelé Pépette. En clair, ça signifie que quelqu'un m'a subtilisé près de 20 tonnes d'or, sans compter les choses plus légères. Et tu vas m'aider à les récupérer. Tu ne le fais pas toi-même? Tu as des relations dans la pègre. Pourquoi un sorceleur? Tout cet or n'est pas à moi. Je gère un fonds de placement privé, vois-tu? Une banque pour initiés. Pour des raisons évidentes, mes problèmes de liquidité doivent rester secrets. D'où le recours à une personne extérieure. Qu'est-ce qui te dit que tu peux me faire confiance? Disons que je me fie à ton instinct de survie. Un faux pas et tu finis dans le gosier de Bard. Bard, désolé. Ça boule au Bard. D'accord. Je vais t'aider. Ce n'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe. Mutation de sorceleur. Elle nous prive de nos émotions. Je saute de joie en dedans. Très bien, je vais jeter un œil, mais d'abord, quelques questions. Je t'écoute. Il y en avait pour combien? Une idée, même à la louche. Quelle importance. C'est pour calculer ton pourcentage. N'espère pas la lune. Je te connais trop bien pour ça. Je souhaite simplement savoir après quoi je cours. Trois coffres remplis de flora Nilfgaardien, un coffre d'émeraude, rubis et topaze, vaisselle et chandelier en argent. Je peux continuer. Jolie pépette. Tout parti. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Hormis Bart, non. Quant à la position de la chambre forte, elle n'est connue que des copropriétaires. Et des voleurs, bien sûr. Et à l'étage supérieur, un événement particulier s'est-il produit au bain ce jour-là? Non. Appen m'a juré que tout était calme. Les habitués, aucun incident. Le calme plat. J'imagine que les voleurs sont passés par le trou. Derrière toi. Quelle lignée d'exceptions tu fais. Souhaites-tu voir confirmer d'autres brillantes déductions? L'année, le nom du fichu roi de Redania? Non merci. Mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé. Pas trop. Boum! Un trou. Bart va voir. Non pas voir. Dormir. Sale champi. Bart Toto. De sales champignons, c'est-à-dire? La moisissure des égouts. Ces spores sont très toxiques. Une bouffée suffit à tuer quelqu'un. Sauf quand on est troll. Oui. Bart. Bart troll. C'est pas à toi qu'on parle, gros bêta. Où en étais-je? Ah oui, les spores. Les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte. Je me disais que cela ferait une protection de plus. Mais les voleurs ont trouvé la parade. Bart, tu les as vus? Bart passe par trou. Veux voir quoi fait beau. Respire, champi. Hop! Dodo. Pépette parti. Méchant troll. Allons, allons, un peu de tenue. Boum. Tu peux être plus précis? Boum.
Je vais le faire pour lui. Une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts. Tu parles le troll couramment, dis donc. C'est pas banal. C'est l'expérience qui paie. J'ai travaillé toute ma vie avec des idiomes. Tu as essayé de pister les voleurs ? Bien sûr. J'ai engagé cet idiot de fonce. Assez crétin pour ne pas poser de questions. Une gorge d'antidote et zou, dans les égouts. J'en suis vite ressorti, et seul. Que s'est-il passé ? Le Benet s'est mis à avoir des renvois terribles, des rots à faire trembler les murs. Je lui ai demandé d'arrêter d'accommoder un comte. Enfin, un ancien comte, qu'importe. Là-dessus, il a vomi, expulsant du même coup l'antidote et sa protection. J'ai voulu le tirer de là. Et puis j'ai entendu bouillonner. Quelque chose sortait de l'eau. Je tiens à la vie de mes gars. Si, si, j'y tiens. Mais la mienne m'est encore plus chère. J'ai lâché Fonce et j'ai détalé. La chose qui sortait de l'eau croupie, tu pourrais la décrire ? Non, j'en serais bien incapable. L'atmosphère était saturée de spores, on y voyait gouttes. Tu as bien dû voir quelque chose. Est-ce que... Non, je n'ai rien vu du tout. Pas plus que je n'ai procédé à une analyse taxinomique. C'est embêtant pour toi, je sais, mais j'ai préféré foutre le camp en vitesse. Un tour aux égouts s'impose. Il te reste de ce fameux antidote ? Quelques fioles. J'ai aussi la formule. Méfie-toi, le goût est atroce, mais ça sauve la vie. Tiens. Merci. Inutile de me remercier, vraiment. Étouffé dans ton vomi, tu ne servirais à rien. Bien. Si tu as besoin de moi, je serai à l'étage. La vue de cette chambre forte vide me donne un ulcère. Bonne chance. Jaskier, dans quel pétrin t'es-tu fourré ? L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barreaux. Elle était donc en place au moment de l'explosion, qui l'a arrachée du mur. Mm-hmm. Des morceaux de conduit. Ce n'était pas une petite explosion. Mieux vaut prendre l'antidote. Loin. Encore pire qu'un élixir de sorcière. Du grillage. Pas moyen de faire passer grand-chose. Des noyeurs. Bien sûr. Évidemment. Je voudrais aller là-bas. Des morceaux de conduit. Oui, ça j'ai vu. Ce n'était pas une petite explosion. Les bords sont tordus vers l'extérieur. Ça a sauté de l'intérieur et le mur avec. Les conduits des bains-douches semblent converger par ici. Pas de traces de magie. Ce n'était pas un sort, mais une bombe. Il devrait rester des fragments. Le courant a dû les charrier. Quelque chose est passé par là. Pas de doute possible. Petite bague en argent.
est engagé par Dijkstra. Dijkstra n'a parlé de personne d'autre. Celui-ci devait être avec Jaskier. Il y a du vomi partout. J'imagine qu'il a également ingéré l'antidote, sans parvenir à l'assimiler, comme l'autre type. Je dois brûler ses corps. Encore une fois, le meilleur tir est afflué. Il est où l'autre? Il était là. Et voilà. Les noyeurs devront aller se nourrir autre part. Yes. Et en parlant de noyeurs... Quoi en haut? Pas un coffre? Oh, du diméritium. L'iméritium, c'est cool. Hein. C'est un peu le... Le titane de l'univers, quoi. On dirait un tronçon de cylindre en argent. Des runes gravées à la base. Tout tordu, sûrement par l'explosion. Ça doit être un fragment de bombe. Ça sent l'huile de Wyvern et le caramel. Inutile d'insister, retournons voir Dijkstra. Du caramel, donc. J'ai raté encore ça. Une babiole. Oh! Ah bah une perle, c'est oui. Hein. Vu combien ça rapporte. Attendez, il y a un truc là. Ah, c'est juste ça. Ok, vite remontons avant que l'antidote il fasse plus effet. D'accord, tu donnes des gens à nourrir aux cochons, très bien. Lui contre les ogroïdes améliorés. Ah, c'est pour le buter si on a envie. Ok. Klong.
Ah oui, c'est vrai, il y a tous les mecs qu'on a butés. Oh, ils doivent pas avoir grand chose d'intéressant à looter, hein, mais... Oui. Que veux-tu? J'ai terminé. J'ai passé au peigne fin les égouts près de la chambre forte. Alors, des trouvailles? J'ai trouvé un deuxième cadavre. Un des voleurs. Il avait vomi l'antidote, comme Fonce. Jolie mort. Tu as trouvé quelque chose sur le corps? Juste une fiole, vide. On ne l'aurait pas abandonné s'il était important. Sans doute un simple porteur. Il ne nous aurait rien appris. Cette piste est aussi froide que lui. Selon moi, c'est une bombe qui a éventré le mur. Regarde. La base d'un cylindre en argent, a priori. Couvert de runes. Intéressant. Une idée du contenu? J'ai reconnu certains ingrédients à l'odeur. Huile de wyverne et sucre. Du sucre? Geralt, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Moi non plus. Je te dis juste ce que j'ai trouvé. Une bombe contenant du sucre. Réfléchissons. Le sucre réagit violemment à l'acide sulfurique. Mais pas assez pour provoquer une explosion. J'ignorais que tu étais versé en alchimie. J'y ai un peu tâté à l'académie d'Oxenfurt. Mais l'heure n'est pas au bon vieux temps. Tu dois retrouver mon or, pas rédiger ma biographie. Tu sais autre chose au sujet de cette bombe? N'importe quoi? La bombe est arrivée par un conduit qui passe dans la paroi de la chambre forte. Mais la grille était en place au moment de l'explosion, ce qui signifie... que la bombe a été introduite dans le conduit depuis les bains-douches. Tout juste. Voilà ce que j'imagine. Le coupable commence par vider un bassin, puis largue tranquillement sa bombe par le conduit. La bombe descend avec l'écoulement, vient reposer sur la grille, puis, pour citer Barthes, gros boum! Le conduit est notre meilleure piste. Il suffit de déterminer à quel bassin il est relié. Oui. Appen tient un registre des clients. Il devrait pouvoir nous dire qui a utilisé ce bassin le jour du vol. C'est plutôt bien pensé, ma foi. Ces compliments sont un honneur. Oh, ce ton sarcastique. Il me manquait. Vraiment? À peu près autant qu'un couteau dans la culotte. Très bien. Inspecte les bassins de droite, je m'occupe de ceux de gauche. Beugle en cas de trouvaille. Eh ben d'accord. Il n'y a rien ici. Quelque chose flotte en surface. On dirait de l'huile. Ah, attendez, si j'y fous le feu? Non. Ah, 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 ah. Arrête, tu casses tes couilles. Un couvercle en argent, adapté au cylindre trouvé dans l'égout. Dijkstra, par ici.
Un indice ? Un fragment de la bombe. À peine ! Purge le bassin numéro 4 et apporte le registre ! Et que ça saute ! Au fait, ton sous-fifre là, à peine, il a pu t'entendre parler de la chambre forte et il a libre accès au bassin. À peine a bien des défauts. Pompeux, prétentieux, pénible au-delà du raisonnable, plus sarcastique qu'un sorceleur. Mais sa loyauté est irréprochable. Quelle garantie as-tu ? Les sorceleurs n'ignorent rien des monstres. Les espions, rien de leurs sbires. Philippa Ellart avait elle aussi ta confiance. Exact. Mais elle, je ne l'avais pas sortie d'une geôle de Kovir la veille de son exécution. Voyons ce qu'il y a au fond. Pas de grille au niveau de l'évacuation. Ça signifie que la bombe est passée par là. Appen, qui a utilisé ce bassin le jour du cambriolage ? Voyons... Berthold Heinz, conseiller municipal. Joseph Schweik, brasseur. Le margrave Henkel ? Henkel ? C'est impossible. Pourquoi impossible ? Le vieux sagouin bouffe les pissenlits par la racine depuis l'hiver dernier. Il n'a pas pu être ici le jour du vol. Il est mort ? Je l'ignorais. Rien d'étonnant à cela. L'honorable margrave a cassé sa pipe au bordel, paré de lingerie en cuir. Sa famille a misé sur des funérailles discrètes. Mais j'ai mes sources. Ah, pourtant, c'est bien lui que j'ai vu ce jour-là, monsieur Reven. Aucun doute. Tu lui as parlé ? Tu l'as examiné de près ? Non. Il est juste passé devant moi à son arrivée. Donc ce n'était pas Henkel, mais un imposteur. Réfléchis pour une fois. On t'a privé de tes burnes, pas de ta cervelle. Quant à toi, Gérald, penche-toi sur la question. Très bien. Par où commencer ? Par chez Henkel, un manoir délabré au sud de la Grand Place. Peut-être y trouveras-tu quelque indice concernant notre malfaiteur. Allez, au travail. Eh ben, très bien. Bon, par contre, on va faire déjà... Non, c'est pas... Putain, mais à chaque fois, je me gourre et j'appuie sur Start alors que c'est... Enfin, c'est... J'appuie sur Option alors que c'est Start qu'il faut utiliser. Enfin, c'est le... Le pavé tactile. Oui, c'est pour remettre mes bonnes potions, parce que honnêtement, là, bon... Hein... Spoiler, on s'en servira plus de l'antidote. Enfin, sauf si on repasse dans les égouts, mais normalement, ça va aller. On va sortir de cet endroit. Raté, la porte était là. Ah. Et on va se quitter là, hein. Eh ouais. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Salut.